Train my mind so I forget. Sink your teeth into my bones. Dig me out, then fill the hole. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. Tear me apart. Tear me apart. Watch it burn. All that's left is a window to my soul. Come and get it. Eh bien salut tout le monde, c'est Cléou et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour la Opium Destiny. Donc vous avez dû comprendre que Texas lui est parti pendant 2 semaines et qu'il ne pourrait pas poster de vidéo. Moi j'ai un peu plus le temps, c'est-à-dire que là donc là on est le lundi 28. Et donc du 28 au 2 août du 28 au 30, donc jusqu'à mercredi. Mercredi, je pourrais poster donc jusqu'à mercredi des vidéos. J'essaierai d'en poster 2 par jour, y compris aujourd'hui, donc celle-ci plus une autre, histoire que vous ayez du contenu, évidemment. Ça signifie que si je poste autant de vidéos par jour, donc Texas compte sur moi pour animer un peu plus la chaîne, ça veut dire que donc que je partirai moi aussi 2 semaines après. Parce que moi, je pars 1 semaine après lui. Ce qui fait que lui sera rentré 1 semaine avant moi, ce qui fait que vous aurez... 1 semaine où vous n'aurez aucune nouvelle, aucune vidéo. Et c'est ça le souci des grandes vacances, c'est quand on part pas au même moment. Donc, si on partait 2 semaines en même temps, ce serait encore pire, puisqu'on perdrait carrément 2 semaines. Bon là ça va, c'est qu'une semaine, mais si on partait en décalé de 2 semaines, là ça aurait été mieux évidemment pour faire des vidéos, pour que la chaîne soit animée. Bon bref, en tout cas moi je voulais aussi vous faire des petites news, donc pour ça... je vais vous mettre un petit mode qu'on avait fait avec un autre pote, Texas et moi. Donc c'est un petit mode survie qu'on avait entamé et tout. Donc on avait bien avancé. Et donc je voulais vous montrer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va activer les cheats. Comme ça, ça va être plus simple. Slash game. Non, slash set time 0. Comment on écrit slash time set 0. Merde. Slash time 7. Vernum 0. Voilà. Oh punaise, j'ai galère. Alors, donc je voulais vous informer aussi de quelques news et vous présenter en même temps un peu la map qu'on avait fait, comment on s'en était sorti, toutes les péripéties qu'on a eu dedans, bref. Voilà, donc pour l'instant je vais pas vous présenter la map, je vais vous laisser la regarder. Je vais marcher. Et je vais vous expliquer un peu les news qu'il y aura de mon côté. Donc il y a encore le bug, là on a encore un bug, bon, bref voilà. Donc. Vous aurez 2 vidéos par jour, donc comme je vous ai dit, aujourd'hui, mardi et mercredi. Celle-ci compte pour une des vidéos, bien sûr. J'ai pas trop le choix. Parce que 3 vidéos par jour, c'est quand même compliqué à poster, étant donné que c'est long. Bon, bref. Donc vous aurez des vidéos sur League of Legends, bien sûr, c'est un de mes jeux préférés, on va dire. Je parle pas de la console, parce que la console, évidemment, c'est là où je préfère jouer, mais malheureusement, je ne peux pas... filmé, donc vous aurez sans doute une FAQ pour quand on aura une centaine d'abonnés, voilà, on fera une petite FAQ je pense pour poser des questions, pourquoi on peut pas machin, bref, vous posez pas, faut pas poser trop de questions dans les commentaires, ou alors si vous les posez dans les commentaires on les prendra pour des FAQ, donc vous n'aurez pas soit vous aurez soit une réponse uniquement pour vous, soit on vous répondra, ben ce sera la réponse dans une prochaine FAQ. Bon bref, en tout cas vous aurez une vidéo sur des vidéos sur League of Legends, c'est sûr, dans les 3 jours qui suivent vous en aurez une, c'est obligé, puisque je fais à peu près 5-6 parties par jour, qui fait à peu près 4 heures de jeu par jour sur League of Legends. Pour ceux qui veulent savoir, je suis Silver 5, voilà, je ne suis pas d'un grand level, mais dès que je fais une bonne partie, je choisis une compile, comme vous avez pu voir, ce que je trouve sympa, moi j'aime bien les compiles, et où je fais autre chose. Donc voilà, en tout cas, vous aurez aussi du Minecraft, donc pour l'instant, j'ai pas encore trouvé une idée de série, il faut qu'elle soit originale, évidemment, mais vous n'aurez pas de Minecraft, tout simplement, parce que Minecraft, c'est pas non plus un jeu que j'aime jouer en solo, en fait, Minecraft... Surtout pour déconner, franchement. Là, ce mode survie est parti d'une idée d'un autre copain. D'ailleurs, je sais pas pourquoi j'appelle que c'est un copain, parce que c'est mon frère. Mon frère, donc, s'est dit, ah bah tiens, si on faisait un petit survie, là, vous êtes tout le temps ensemble à faire vos vidéos et tout, moi, j'aimerais bien jouer un peu avec vous. Bah, pourquoi pas faire un survie, donc.
Vous voyez, c'est une idée un peu délire. Évidemment, en survie, c'est pas très original puisque tout le monde en a fait une fois en vidéo. Que ce soit pour des guides ou des trucs comme ça. Mais nous, on a choisi de faire un survie tout à fait banal. Donc, on est allé dans les heures, tout ça, faire des petits défis quand même. Donc, vous voyez, Minecraft, je ne joue pas tout seul. J'ai aucun plaisir à jouer tout seul. Sauf pour faire des vidéos. Évidemment, là, je trouverai du plaisir. Parce que faire des vidéos, pour moi, c'est du pur plaisir. C'est pas du tout pour... Je sais pas, pour perdre mon temps là. Parce que donc voilà, donc moi c'est pour mon pur plaisir que je fais ça. Et donc bah je m'y mets à fond hein, pour faire des vidéos. Bien sûr j'ai pas le matériel qu'il faut, vous verriez mon setup il est vraiment dégueulasse. Donc voilà. Donc en tout cas vous aurez sans doute du Minecraft, ça c'est sûr parce que c'est aussi un des jeux que je préfère. Vous aurez aussi des vidéos découvertes sur des jeux qui... Il y en a une, je pense, si j'ai le temps d'en télécharger un. Parce que j'ai des problèmes de téléchargement ces temps-ci. Bref, je vais pas en parler. Si j'ai le temps de télécharger ce jeu, bah, je vous le présenterai en vidéo, évidemment. Ce sera un jeu gratuit que vous pourrez télécharger parce que je n'achète pas de jeux sur PC. Car mon PC n'est pas assez puissant pour acheter des jeux disques, des nouveaux jeux type Battlefield et tout, des choses comme ça, Call of Duty, machin. Donc c'est pour ça que les jeux gratuits, j'essaie d'en prendre des pas trop lourds. Donc voilà. Donc j'aimerais aussi savoir une question dans les commentaires. Pour ceux qui me postaient des commentaires, je sais qu'on n'a pas beaucoup de vues, mais pour ceux qui regarderaient un peu nos vidéos, est-ce que si ça vous a plu, parce que j'ai remarqué que c'était quand même les vidéos qu'on cartonnait pendant un moment sur notre chaîne. Bien sûr, il n'y a pas que ça hein, qui a cartonné, mais. Moi je pense que ça vous a plu si les vidéos Aura Kingdom vous plaisent. En tout cas moi ça m'a bien plu d'en faire. Malheureusement c'est que c'est vrai que le téléchargement bug, donc faudrait que je trouve un moyen. Ce qu'on va mettre c'est qu'on va faire en peaceful pour pas détruire la maison. Voilà. Donc je sais pas. Moi Aura Kingdom c'est vrai que j'adore les MMORPG, c'est un type de jeu que j'adore avec les MOBA. Le souci c'est que voilà, Aura Kingdom c'est pas non plus. J'aime bien, j'ai adoré Eden Eternal. Le souci, c'est qu'Aura Kingdom se rapproche trop d'Eden Eternal, des classes différentes, effectivement. Mais le souci, vous voyez, c'est que le lockage dans les MMORPG, c'est vrai que c'est typique d'un MMORPG. Vous cliquez sur un ennemi, vous balancez tous vos spells sans bouger. Voilà, mais moi, ce que j'aime bien, c'est vraiment les jeux typés Terra, Raiders, des jeux comme ça, où il faut carrément viser, se déplacer, esquiver, bloquer. Donner des attaques, enchaîner vos combos, si jamais le combo foire, vous devez esquiver, vous prendre le moins de coups possible. C'est ça qui est vraiment stylé dans ce genre de jeu, c'est les MMORPG typés action. Donc c'est pour ça que c'est vraiment intéressant. J'adore vraiment ces jeux-là et je pense que les MMORPG basiques me lassent de plus en plus parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup moins d'intérêt à y jouer parce que vous balancez vos sorts, voilà, si vous avez de la chance, vous le tuez, si vous avez moins de chance, vous le tuez pas. Vous utilisez vos popos et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que League of Legends, moi, ça m'intéresse parce que c'est vrai que c'est pas un jeu où les graphismes sont impressionnants. Même si là, les graphismes, même si Riot Games commence à s'améliorer vraiment au niveau graphisme puisqu'ils ont sorti une nouvelle faille de l'invocateur pour ceux qui connaissent. Et donc, c'est vrai qu'ils commencent à s'améliorer, mais sinon, c'est pas une prouesse graphique énorme. C'est juste que Eh bien, le type de jeu est vraiment très intéressant. Évidemment, il a été développé avant par les développeurs de Dota. Je sais plus c'est quoi les noms. C'est BioWare? Non, je sais plus c'est quoi le nom. Par les développeurs de Dota. Donc effectivement, Dota a été l'un des premiers à engranger l'esprit MOBA. Et donc c'est pour ça que League of Legends n'est pas non plus une révolution. Mais ce qui est intéressant dans ce genre de jeu, c'est que le MOBA, c'est qu'il faut réfléchir. Enfin, faut quand même avoir une réflexion. C'est pas du... je vais le dire, mais comme dirait mon père, du bim bam boum, parce que il pense qu'on joue à ce genre de jeu, évidemment, des fois on joue à ce genre de jeu, les MMORPG, c'est typiquement du bim bam boum, hein. Vous allez défoncer des monstres, looter des trucs, et voilà. Mais les MOBA, c'est totalement différent. Comme Minecraft, faut réfléchir, faut construire vos bases de façon à ce que les monstres ne viennent pas. Les MOBA, c'est pareil, faut prendre un sandwich, faut trouver plein de techniques, et ça, c'est au fur et à mesure du jeu. Vous ne pouvez pas placer une technique de jeu en même temps, pardon, juste avant que vous jouiez. C'est pas possible puisque vos adversaires, donc qui sont aléatoirement choisis, ne choisissent pas toujours les mêmes techniques offensives et défensives. Donc effectivement, vous devrez jouer
Vous devrez jouer stratégiquement afin de gagner, évidemment. Mais voilà. Donc c'est pour ça qu'aussi, c'est un des jeux les... C'est le jeu d'ailleurs le plus joué au monde. C'est celui où le e-sport entraîne le plus de personnes. Et je déconne pas quand c'est vraiment le jeu le plus joué au monde. Donc c'est pour ça que vraiment moi c'est un jeu qui me plaît. Donc je sais pas s'il vous plaît. Évidemment il plaît à... il ne plaît pas à tout le monde. Regardez Texas, lui c'est plus Call of Duty, les FPS, Warface, tout ça. Moi, les FPS c'est bien. J'aime bien Halo, Battlefield, c'est pas trop mal parce que. On va dire que c'est vrai qu'au niveau de la personnalisation des armes et tout ça, c'est vraiment intéressant. Mais sinon, Battlefield, je suis pas plus bon que ça. J'ai un ratio de 0,5. Vous voyez, c'est médiocre. Voilà. Tandis que LOL, je vais encore parler de LOL, évidemment, ça doit vous saouler que je parle de ça. Mais bon, moi, j'ai envie d'en parler. Donc LOL, effectivement, je suis pas très bon. Je suis pas un pro. Mais je sens que mon esprit, quand même, réfléchit dans le jeu. Et que, bah, bien sûr, avec des potes, évidemment, on délire. Mais... On doit toujours réfléchir, effectivement. Après, voilà. Bon. Je vais pas m'attarder non plus dessus. Moi, League of Legends, c'est mon jeu préféré, je pense, sur PC. Avec Terra. Terra, c'est mon jeu, un de mes jeux préférés aussi. Donc je pense que qu'il n'y a pas trop de choix. League of Legends, c'est quand même mon jeu préféré. Surtout que bah, c'est un des seuls jeux sur PC où je joue avec beaucoup de personnes, à part Minecraft, évidemment. Mais sinon, Warface, déjà, Warface, j'étais content et tout de l'avoir, hein. Franchement, j'allais faire des vidéos avec, avec Texas. Ça allait vraiment être super. Bah, le souci, c'est que voilà. On a activement le launcher. Donc voilà, j'allais y jouer. Bah, bim, ça marche pas. Donc, vous voyez. Donc, franchement, là, je suis un peu dégoûté. Bon, voilà. Bon, bah, je vais arrêter d'en parler. Je vais parler un peu de la map. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Donc, vous aurez, oui, des vidéos découvertes sur certains jeux. Donc là j'en ai un en tête, soit je vous le dis, soit je vous le dis pas, je vous le dis, ce sera No More in Hell, un petit jeu d'horreur, je me mettrai dans le noir, je sais pas si je fais un face commentary, je ne pense pas, mais vous aurez d'autres vidéos en face commentary dessus, j'inviterai Texas à jouer avec moi, c'est un genre de Left 4 Dead, vous comprendrez tout à l'heure parce que je vais y jouer. Je vais peut-être jouer même avec un pote, je ne sais pas, il n'a pas, je crois pas, mais bon bref, on verra bien. Ce sera une découverte puisque je n'y aurai jamais joué. Bon voilà, donc là je vais vous parler de la map. Donc en fait c'est une map où tout est parti. Donc elle n'est pas encore finie, hein. On n'a pas fini de jouer dessus, on avait arrêté, mais là moi j'ai envie de reprendre, bon bref. Donc voilà, donc c'est une map où on est parti. On est spawné ici. Je vous montre après avoir mis le jour. C'est chiant la nuit. Donc on a spawné ici. Voilà. Là, un peu plus loin par là-bas. Donc nous on s'est dirigé vers la forêt tout simplement parce qu'il y avait du bois. Et ce qu'on découvre dedans, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ici il y avait une grande plaine avant méchant. Et donc je me souviens très bien, j'étais waouh putain, il y a plein de moutons. Et moi c'est ce qui m'intéresse au début, les moutons, les cochons, les animaux, c'est ce qui m'intéresse le plus. Tout simplement parce que la survie consiste à tuer des moutons. Enfin les moutons c'est plus pour endormir. Donc là, il n'y en a plus de moutons, il y a juste une un champ là-bas. Évidemment ici il y en avait je sais pas une trentaine de moutons. Et ce qui nous a intéressé aussi avec Texas, vous le voyez d'ici, c'est les champignons. Les champignons devenaient très très intéressants. Puisque les soupes rendent beaucoup et sont pas non plus hyper compliquées à faire. Donc c'est pour ça que c'était vraiment intéressant. Donc ensuite on s'est établi, on a créé une petite un petit abri, puisqu'on a vu une grotte, on croyait que c'était une grotte au début, où on descendait, voilà. Hop, ici. Donc là, il y avait pas mal de fer, pas mal de charbon, donc on était content évidemment. Donc ici, on a établi notre petit portail du Nether. Donc voilà. Donc là, on a l'entrée, là, on a le système de redstone de Texas pour fermer la porte pour qu'aucun monstre ne vienne. Évidemment, c'est à cause de ça qu'il est venu tout à l'heure, le creeper. Donc voilà. Donc ensuite on a posé, bon bah évidemment on est descendu par ici, ici il n'y avait rien, hein, rien n'était établi. On a creusé ici, et donc là c'était hyper moche hein, ici au départ on n'avait même pas cette salle des coffres en quartz et en clay rose. Voilà, donc ensuite on a creusé cette mine là, où on a trouvé, bah, c'est là qu'on a trouvé tous nos diamants quasiment. Et puis il y avait cette grotte là aussi, je sais pas si je vais vous la montrer, soit je me mets en game mode, soit je me mets pas en game mode. Et non, tout a été fait en survie, hein. Donc ici, donc il y avait des très très grandes grottes. Je vais pas vous le montrer. Bon, allez, je vais le mettre en game mode. Donc voilà. Donc je vais vous la montrer. Donc cette grotte a été vraiment hyper intéressante. On s'est fait tuer 2-3 fois là-dedans. Donc on a utilisé, je crois,
plusieurs fois la capacité de téléportation pour revenir dans la mine, parce que c'est vrai que faire l'aller-retour c'est long. Par contre, on n'avait pas le droit de se TP sur un... Si jamais on était dans la merde, on n'avait pas le droit de se TP. Si, on avait le droit. Je sais plus si on se TP pour se sauver. On se TP. Je sais plus, bon bref. C'était un peu le cafouillage, c'était pas non plus un survie total. Mais on n'a pas du tout triché. Bon, je vais pas vous montrer parce qu'en fait je me souviens plus du tout où c'est. Donc voilà, donc ici on a trouvé 7 diamants et là-bas on en a trouvé 3 ou 4, je crois. Donc j'ai dit de la merde au début. Je me souviens à 7 parce que c'était épique, je les ai trouvés en même temps. Ah merde. Voilà. Oh, ça me saoule. Voilà. Hop là. Donc voilà, donc ensuite on a créé cette petite base. Là, c'est entièrement Texas qui l'a fait, ça, la déco. À l'intérieur, c'était avec Loser, donc il s'appelle Loser. Hein. Mr. Loser Gamer, il s'appelle comme ça. Only Loser, sa chaîne YouTube, vous irez voir. Bref. Et voilà, donc ensuite, moi, j'adore les faire des champs. Et du coup, bah, je les ai faits. C'est moi qui ai fait les champs. À part celui-là, le pool, c'était Loser qui voulait absolument le faire. Bon, bah, je l'ai laissé. Ici, ce sont des pièges de Texas, donc c'est très simple, hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ça. Il suffit qu'un zombie marche dedans. Et voilà, là, il est bloqué. Il peut plus s'en sortir. Faudrait qu'il casse ça. Évidemment, un zombie n'a pas la capacité de casser. Et merde. N'a pas la capacité de casser. Et donc, c'est pour ça que... Si j'envoie ça là. Voilà, ça marche. Hop, et c'est pour ça que... Eh merde. J'ai fait le con. Hop, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a créé cette map. C'était pour s'amuser, tout ça. Donc les champs. Après on est allé voir là-bas pour aller chercher des vaches. Je peux vous dire que c'était bien galère. Parce que ces connes de vaches, elles, ce qu'elles faisaient, c'est que... Oh bah on se barrait, on était dans l'eau et puis on se barrait, hein. Tranquillou. Et bah non, elles ont fini... J'en avais réussi à en amener 5. Il n'y en a que 2 qui ont survécu. Donc voilà, donc la petite tête de creeper, on a cheaté au début pour parce que c'était notre emblème. On voulait absolument l'avoir. Enfin, c'est Loser qui voulait l'avoir. Bon, nous, on n'était pas trop d'accord, donc voilà. Donc ici, on a nos enchantes. Banaf Arthropod 3, j'ai eu moi, donc j'ai réussi à avoir l'achievement que les autres n'ont pas eu, qui est super intéressant, c'est ici. Deal 8 hours of damage in the single hit. Donc, inflige 8 coeurs. De dommages en un seul coup. Donc c'était sur une araignée, voilà, je l'ai tué en 2 coups. Et donc faut infliger 8 coeurs en un seul coup. Donc avec cette épée Banner of Arthropod 3, j'ai réussi, que les autres n'ont pas réussi, même avec un Sharpness 2 je crois, ou 3, je ne sais plus, ils n'ont pas réussi. Bon. Donc voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Elle a dû durer une quinzaine de minutes, je pense. Donc elle va mettre 30 minutes à se mettre sur YouTube. Donc voilà, donc les petites news. Donc je rappelle du League of Legends, des vidéos découvertes, du Minecraft. Du Minecraft, je vais peut-être en faire. Donc pour ceux qui veulent connaître aussi mon ressource pack, c'est Faithful 32. Moi, je sais pas, c'est Texas qui me l'a mis. Donc pour de vrai, c'est moi l'informaticien, on va dire, entre nous deux. C'est moi qui s'y connais un peu le plus. Mais là, par contre, Minecraft, laissez tomber, quoi. C'est lui qui s'y connaît à donf. C'est un boss. Donc voilà, donc... Et merde, je suis con. Je suis en game mode. Donc, bah, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à aller voir la chaîne de Only Loser. Donc c'est un pote à moi qui fait des vidéos sur League of Legends. Il fait des vidéos sur quoi aussi? Sur Merkelid, sur... The Hunter, il en a fait quelques-unes. Il a arrêté, je crois. Il faisait un let's play, puis il a arrêté parce que c'était vraiment très long. Enfin, je sais plus. Vous verrez. Je mettrai dans sa chaîne dans la description. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Allez, ciao tout le monde.